Maintenant, même chose, ça fait déjà 5 rencontres qu'on a sur Saint-Luc. J'espère que vous commencez à connaître Saint-Luc. Hein? Si je mettais Saint-Luc, chapitre 5, qu'est-ce qu'il y a au chapitre 5 de Saint-Luc? Bon, chapitre 4 d'abord. Ça va être plus facile. Chapitre 4, c'est... Hein? C'est pas Nazareth? Nazareth, chapitre 4. Non? On peut retenir au moins Nazareth. Tu sais? La visite à Nazareth, c'est dès le début, chapitre 4. Si je disais où est-ce que se trouve le sermon dans la plaine pour Saint-Luc, c'est chapitre 6. Ça fait des références, hein? Où se trouve la multiplication des pains? Chapitre 9. C'est pas que le chapitre 9, il y a beaucoup de choses. C'est là qu'arrive la profession de foi de Pierre, la transfiguration et la première annonce de la Passion. Je vous avais dit, c'était comme un sommet, le résultat de tout. Ensuite, on s'est mis à regarder le Seigneur qui s'en va vers Jérusalem. Donc ça, c'est 9:51. Hein? C'est un peu la coupure. Il s'en va. Alors, vous avez lu la première partie du chemin vers Jérusalem. Les semaines qui viennent, la semaine qui vient, là, je vous invite à lire la deuxième partie de la route vers Jérusalem. Correct? C'est juste pour dire que c'est plus facile à séparer comme ça. Si on essayait d'y aller numéro par numéro, il y a trop de choses. J'ai essayé de simplifier pour que vous puissiez au moins avoir des références. Il faut toujours avoir à côté de vous la feuille comme ça. Correct? Puis peut-être, oui, parce qu'elle veut vous aider à... Alors, on va revenir tout à l'heure. Alors, vous avez une feuille de couleur? Moi, j'en ai pas. Mais je l'ai en blanc, je pense. OK, je l'ai en blanc. Merci. On a oublié de mettre des trous. Mais il y a une machine, là, tout à l'heure au café, si vous voulez aller faire trois trous. M'excuse, c'est de ma faute. Ça, c'est la couleur des Dames de Sainte-Anne, c'est ça? Hein? C'est beau. Hein? Bon. Alors, c'est notre cinquième rencontre. Avant de la commencer, bien, je vais faire comme chaque fois, on va reprendre notre prière, « Je crois en toi ». Il y en a qui veulent encore des prières, j'en ai racheté d'autres, parce qu'elle est très belle, hein? Alors, là, je vais vous tourner le dos un petit peu plus souvent, parce que ça ne fonctionne pas, mon affaire, ici. Je suis obligé de regarder l'écran avec vous. Alors, ça ne vous fait rien? De toute façon, je n'ai pas le choix. À moins d'avoir un miroir. Mon écran ne fonctionne pas. Si quelqu'un connaît quoi faire, il ne fonctionne pas. La technique, quand on ne sait pas. Bon. Ça ne nous empêchera pas quand même de dire notre prière, c'est correct. On va la dire ensemble. Je crois en toi. Ça, c'est le livre. Alors, on va respirer entre chacune. Je crois en toi, notre Père, source de vie. Ouvre-moi à l'expérience de ton mystère d'amour. Que dans l'écho de ta parole, je découvre les mots pour parler de toi. Je crois en toi, Jésus-Christ, présence sur nos routes. Marche avec moi vers mes frères et mes sœurs, que nous goûtions ensemble la joie de ta présence pour nous engager à ta suite. Je crois en toi, Esprit-Saint, don de lumière, éclaire nos pas de pèlerins, que nous reconnaissions ton appel à vivre une foi agissante
est toujours en marche. Nous te louons, Seigneur notre Dieu, toi qui depuis le commencement nous dis, je crois en toi. Tu nous fais ainsi porteurs sur nos routes humaines de cette heureuse nouvelle qui change la vie. Amen. Alors, il y a beaucoup de routes dans la prière, hein, dans le secrédo. Nous arrivons ici aujourd'hui, après avoir regardé le Seigneur en route. La petite introduction que j'ai faite ici, c'est que il y a pour lire l'Évangile, d'une façon, je dirais, facile, eh bien, on regarde, il y a des lignes de conduite, d'ailleurs, des lignes, ça suit dans l'Évangile. On a vu Jésus en route. Déjà, on peut suivre beaucoup l'Évangile, il est toujours en route. Hein? On a vu Jésus, ensuite, guérisseur. Alors, Jésus qui guérit beaucoup de malades de toutes sortes. C'est une autre façon de voir l'ensemble de l'Évangile. On a vu Jésus, ensuite, l'homme de la parole que j'ai dit. C'est-à-dire, ça, je ne l'ai pas développé, mais on pourrait le prendre. Jésus qui annonce la bonne nouvelle, Jésus qui vient puis qui enseigne, donc c'est quelqu'un qui parle, qui enseigne, qui amène la bonne nouvelle, hein, la bonne nouvelle. Ça, c'est une autre façon de lire tout l'Évangile de Saint-Luc. Et nous arrivons aujourd'hui à une autre façon de revoir Jésus. Moi, j'ai mis le mot « compteur », mais c'est spécial à l'Évangile. Jésus qui raconte. C'est plein de paraboles dans l'Évangile. Et c'est vraiment une particularité de l'Évangile, pas rien de Saint-Luc, mais c'est spécial. Il y en a qui disent, oh, oui, il y en a d'autres qui ont fait ça, des paraboles. Il n'y a personne qui a fait des paraboles comme Jésus. Il n'y en a pas d'autres. C'est génial, puis c'est spécial. Il y en a qui racontent des oh, il appelle rien, là, comment ça s'appelle, il raconte, là, le conteur. Ah, il y a La Fontaine, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont raconté, mais personne comme Jésus. En tout cas, à mon sens, moi, c'est tout à fait spécial, les paraboles de l'Évangile. Alors, ce soir, on va jeter un coup d'œil sur les paraboles. Et là, si vous avez votre carte, votre tableau comme ça ici, la première... vous avez une colonne avec les paraboles, hein? Alors, Saint-Luc en a des paraboles qu'il a seul. Vous en aviez trouvé une douzaine à peu près, hein? Mais il en a beaucoup plus que ça. Ça, c'est les 12 que Saint-Luc a lui-même tout seul. Mais avec, j'ai marqué ça un petit peu plus loin, là, avec Saint-Matthieu et Saint-Marc, il y en a au moins 9 autres. Ça veut dire qu'on approche la vingtaine. Mais il y en a dans Saint-Matthieu que Saint-Luc n'a pas... Je ne peux pas tout expliquer pourquoi, moi je ne sais pas, là, mais il y a des petites paraboles. Alors, on va regarder les paraboles en ensemble, que ce soit dans Saint-Luc, ou dans Saint-Marc, ou dans Saint-Matthieu, correct? Alors, mais il y a des petites paraboles dans Saint-Matthieu, c'est de valeur, qui ne sont pas dans Saint-Luc. Par exemple, le trésor et la perle. Vous connaissez? Hein? Celui qui cherche une perle, puis en trouve une belle, puis il vend tout le reste, il achète la perle. Celui qui a trouvé un trésor, puis il vend hein, dans un champ, il va acheter le champ, puis il vend tout le reste. Alors, c'est des petites paraboles, là, c'est intéressant, mais elles ne sont pas dans Saint-Luc. Il y en a d'autres comme ça, je les ai mises ici quand même. Les 10 vierges, là, 5 pas fines, puis 5 fines. Hein? Alors, c'est pas dans Saint-Luc. Les deux fils, ça serait intéressant, mais ils ne sont pas dans Saint-Luc, mais on peut y faire allusion. Vous connaissez un père avait deux fils, et puis il y en a un qui va travailler à ma vigne, puis il dit non. Puis l'autre, il dit oui. Mais celui qui dit oui, il ne va pas. Puis celui qui dit non, finit par gueuler. Qui a fait la volonté? Des petites paraboles du Seigneur, ça en est plein dans l'Évangile. Les ouvriers de la 11e heure, ça, ce n'est pas une parabole facile à expliquer. Parce que ça nous choque. Hein? Comment ça se fait qu'ils reçoivent autant que ceux qui ont travaillé toute la journée? Ça choque. Et c'est voulu que ça nous choque. Justement parce que ça nous choque, ça nous dit quelque chose. C'est que ça dépasse nos visions, notre petite vision de justice humaine. Là. Et c'est choquant.
Il y en a qui ont travaillé toute la journée, puis reçoivent un quart. Quoi déjà, là? Encore une pièce de monnaie, puis les autres viennent juste d'arriver, puis ils reçoivent la même pièce de monnaie. C'est choquant. Bien, il y a des paraboles qui sont faites pour nous choquer. On les connaît toutes par cœur, les paraboles. Je fais juste allusion vite, comme ça. Vous avez la brebis. Bon, non, celle-là, on va revenir. Le festin, bon, le levain, hein, la lampe, il reste. Et puis, vous avez ici, alors, il faut revenir à ce tableau-là, pour remarquer que dans Saint-Luc, il y a quand même une douzaine de paraboles qui lui sont propres et qui nous indiquent un petit peu les particularités de Saint-Luc. Alors, d'abord, il y en a 12. C'est déjà pas mal. Et si vous allez voir de quoi il traite, eh bien, vous allez voir qu'il traite de trois sujets particuliers qui sont des insistances de Saint-Luc. De la prière, de l'argent, ou de la pauvreté, ou des richesses. Et puis l'autre, la miséricorde. Bon. Alors, c'est un prédic, ça nous aide à revoir quelles sont les insistances particulièrement à Luc. Correct? C'est pour ça que je vais les traiter surtout de celle-là, mais pas simplement de celle-là. Alors, je suis rendu au numéro 1. Les paraboles qui lui sont propres sont nombreuses, je viens de le dire. Et puis, de plus, Saint-Luc en a 9 avec les autres. Bon, il y en a certes qu'il n'y a pas, je viens de le dire. Mais il y a quelque chose d'intéressant quand on regarde l'Évangile. Les paraboles, ça, c'est unique. Je l'ai dit, mais je l'aurais dit. Et peut-être que ceux qui ont étudié l'Évangile beaucoup, là, ils nous disent que c'est ça qui se rapproche le plus de ipsissima verba. Je ne savais pas ce que ça veut dire. Hein? C'est pas grave. Hein? C'est propre mot. C'est ça. Ipsus, ça veut dire même. Ipsissima, c'est très même. Les verbes, les mots les plus propres de Jésus. Vous savez que Jésus parlait en araméen. C'était traduit en grec. Puis nous autres, on le traduit en français. J'avais déjà fait des traductions pour voir, tu sais, que, bon, c'est pas facile d'avoir exactement les mots de Jésus. On en a plusieurs qu'on sait que c'est Jésus qui a dit ça à peu près tel quel, mais avec des petites nuances tout le temps, hein, d'une langue à l'autre. Mais on dit, les paraboles, ça, c'est peut-être là qu'on trouve ce que le langage de Jésus peut-être le plus clair, parce qu'il était tellement spécifique, tellement particulier, qu'on est très proche de ce qu'il a raconté. C'est des récits. C'est facile à s'en souvenir. Les trois, ou même les quatre, Saint Jean aussi, là, les quatre évangélistes nous les rapportent. Donc, c'est pas normalement les ipsissima verba. J'avais appelé le latin, oui. Les mots les plus. Hein, ça nous fait rejoindre Jésus dans son langage, sa prédication, sa façon de parler. C'est très proche. On sent qu'on lui touche de proche. Bon, c'est pour ça que je l'ai mis là, c'est pas moi qui l'invente, ça. Correct? Jésus nous paraît comme un conteur génial, c'est clair. S'il y avait un génie sur la terre, c'est bien Jésus-Christ. Il y a des génies qui sont débalancés parce qu'ils sont trop géniaux. Mais Jésus n'était pas débalancé. Ce sont de petits chefs-d'œuvre, je pense bien, les paraboles. Chacune part des situations où on se reconnaît, tu sais. Le royaume des cieux, c'est comme, tiens, quelqu'un qui part puis il s'en va semer. Hein? Ah, ben oui, on connaît ça. Nous autres, on ne connaît pas ça. Mais les gens connaissaient ça dans ce temps-là. Hein, il s'en va semer. Hein, puis il jette sa semence. Mais nous autres, on ne connaît pas ça. Et là, c'est pour ça que pour comprendre la parabole, il faut savoir ce que ça veut dire dans ce contexte-là, même le point de départ. Ce qui explique les paraboles, j'ai mis 2-3 petits livres ici, j'en ai un, j'ai oublié de le mettre, là, qui nous explique à l'infini les paraboles, tu sais. Mais pourquoi est-ce qu'on dit il y a du grain qui tombe dans les pierres, puis il y a du grain qui tombe dans les ronces, puis il y a du grain qui tombe où c'est dur? Alors, nous autres, on ne sent pas de bon sens, il ne fait pas attention. Mais c'est comme ça qu'on se met dans ce temps-là. On jetait.
Je ne disais pas que j'étais n'importe où, mais c'est par après qu'il passait. C'est par après. Et que j'étais piétiné un peu. Donc, c'est une autre façon. Il faut concevoir une autre façon avant de condamner celui qui s'en va semer. Jésus parle de quelque chose qu'ils savent, mais ensuite il va l'expliquer, hein, le semeur. Alors, il parle toujours de quelque chose où on se reconnaît un petit peu, et puis ça nous dépasse, ça finit par nous dépasser. Le royaume des cieux, c'est comme un filet. Mais ce n'est pas un filet. Mais c'est comme un filet qu'on jette. Alors, il ne faut jamais arrêter à un seul mot. Ce n'est pas un filet. C'est un filet qu'on jette. Alors, le royaume des cieux, c'est comme un filet qu'on jette et qui ramasse toutes sortes de poissons. Alors, vous voyez, c'est plus que le filet, là. Le royaume des cieux, c'est comme. Alors, il faut toujours dire, c'est comme. Le Seigneur essaie de nous faire comprendre quelque chose par des comparaisons qu'on connaît. Mais c'est comme ça, mais c'est comme ça, tu sais. Mais c'est pas ça, c'est pas un filet. Le royaume des cieux, on les connaît, les paraboles. Il part de situations où on se reconnaît, puis il s'élève tout à coup au royaume. Il nous dépasse. Celui qui paye ses ouvriers de la dernière heure, ça nous dépasse. Nous autres, on payera, on dirait, va y en donner un peu plus. Il a passé toute la journée à travailler. Ça nous dépasse. C'est parce que là, on est dépassé. Il parle de quelque chose qu'on connaît, puis il nous dépasse. Le royaume des cieux, c'est ça. Ça nous dépasse. Il essaie de nous introduire dans le royaume des cieux, dans un grand mystère. Alors, on ne peut l'expliquer par l'horizon humain seulement, sans ça. Bon, on a des problèmes. Le plus gros problème, l'une des paraboles qui pose le plus de problèmes, c'est le mauvais gérant, là. Le royaume des cieux, c'est comme un gérant, hein, qui dit, t'as fini, hein? Il se fait mettre dehors. Avant de partir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir un gars et dit, hein, tu dois 100 barils d'huile, mais donc 80, tu sais. Un mauvais gérant, comment ça se fait? Est-ce qu'il est en train de nous donner comme exemple? Ah bien, pas du tout. Mais il est en train de nous dire quelque chose. Alors, les paraboles nous disent toujours d'autres choses. Bon. On comprend du premier coup, puis on n'a jamais fini de comprendre. J'ai essayé d'expliquer ici, à ma façon, là, peut-être, certaines idées sur les paraboles. Vous les connaissez, les paraboles. Je peux vous en lire une ou deux, là, ensemble, pour ça, on les connaît très bien. Mais quand même, quelle sorte de lecture qu'on peut faire. J'ai marqué ici, la parabole surprend. Elle force à réfléchir. Elle ne donne pas la solution facile parce qu'elle veut convertir le cœur. Alors, ce n'est pas rien qu'un appel à la réflexion, c'est un appel à une conversion. Quand Jésus est en train de manger, et puis une femme qui rentre, qui se met à lui laver les pieds, vous savez? Et puis le pharisien dit, si c'était un homme de Dieu, hein, il saurait bien ce que c'est, cette femme-là. Alors Jésus dit, je vais te raconter une histoire. Hein? Et puis, il y avait deux personnes, l'un qui devait 1 000 $, puis l'autre devait le 5 $. Tu sais. Alors, le pharisien devait se dire entre nous autres, le 1 000 $, c'est elle, hein, elle en doit pas mal. Moi, je ne dois pas grand-chose. Hein? Moi, je ne suis pas si mal. Tu sais. Alors, Jésus, tout à coup, tourne la parabole à l'envers, c'est-à-dire la situation à l'envers, parce qu'il dit, hein, on fait remise aux deux. C'est-à-dire, hein, on leur remet aux deux. Ah bien là, c'est à l'envers. Qu'est-ce qui va aimer davantage? Mais c'est celui à qui on a remis davantage. Tout le monde sait ça. Alors, c'est que le pauvre pharisien qui pensait, tout à coup, il tourne à l'envers parce qu'il s'aperçoit qu'elle aime plus que lui. C'est une petite parabole, très simple. Mais on voit l'action de Jésus, c'est donc au lieu d'affronter, c'est souvent de
Non, il l'a fait rentrer dans une petite parabole, une histoire. Alors, quand il demande aux pharisiens qu'est-ce que c'est qu'il va l'aimer le plus, bien, le pharisien, il dit, c'est... là, il se fait prendre. C'est lui qui répond, hein, il se fait prendre. Alors, c'est ça une parabole. Un petit peu, c'est pas tout simple. Et je dirais qu'il n'y en a peut-être pas deux pareils. Il y a tout, chaque parabole a toujours de très spécial. J'ai marqué le monologue intérieur. Il y a tout un style dans la parabole. De l'autre côté de la page, tout à l'heure, je ferai appel à un livre que j'ai lu, très intéressant, sur l'art des paraboles. Mais j'en dis tout de suite un mot, parce que dans les paraboles, souvent, il y a un monologue intérieur. Ça veut dire que ça, c'est un procédé littéraire qu'on voit souvent dans le théâtre comique, ou même le théâtre tragique, dans le classique. C'est le bonhomme, il parle, puis il dit ce qu'il pense. Hein? Vous avez ça dans le théâtre classique, même le comique, tu sais. Il dit ce qu'il pense. C'est comme si on entrait à l'intérieur du bonhomme. C'est fréquent dans les paraboles. Alors, vous connaissez tous la parabole du juge inique. Hein? Le juge inique qui, moi, je ne m'occupe pas de Dieu, je ne m'occupe pas des hommes, mais a fini par va me fatiguer assez que je vois. Hein? Il parle à l'intérieur. On appelle ça le monologue intérieur. C'est-à-dire, c'est un procédé très classique, très répandu, qui nous fait entrer dans la personne, hein? Il fait pénétrer à l'intérieur de la personne. Bon. Et là, ça c'est un autre effet. J'essaie de résumer ici un livre que, si ça vous intéresse de le lire, c'est de tout le temps le même auteur ici, Newman. La force libératrice des paraboles. Pour lui, les paraboles, puis c'est pas rien que les paraboles, il y a une valeur thérapeutique. C'est-à-dire, c'est pour nous libérer. C'est pour... les paraboles, là, on entre dedans facilement. On s'aperçoit tout à coup qu'on est dedans. Et puis, ça nous libère. Alors, si vous aimez ce genre de livre, vous pouvez lire ici, il y en a beaucoup, là. Comment gérer sa peur. Alors, comment... c'est un psychologue, hein? Comment aborder sa propre faute. Lui, il en fait une lecture psychologique des paraboles. C'est intéressant, mais c'est une lecture, c'est profond. Comment aborder son juge intérieur et le reste. Alors, c'est la valeur thérapeutique. Comment affronter ses ennemis intérieurs. Et le reste. Il faut juste lire les titres, parce que ça serait... Mais si ça vous intéresse de feuilleter, c'est un livre de Grun. Le même que l'autre jour, quand je vous avais suggéré. Correct? Alors, lui, il parle de la valeur thérapeutique de l'Évangile. Le Seigneur, il veut nous guérir, mais il nous affronte rarement, de temps en temps. Alors, souvent, il nous fait entrer dans une histoire, et tout à coup, c'est pour nous changer notre façon de voir, nous amener à voir autrement. À nous autres, ou bien ceux à qui il parlait. Hein. Alors, au lieu de... Parce que quand on affronte quelqu'un, il se durcit. Hein? Non. Alors, ben, l'autre va dire non. Quand on affronte quelqu'un, le Seigneur, il affronte de temps en temps. Des pharisiens, entre autres. Mais souvent, il est entré dans une histoire, puis peu à peu, il les amène à changer leur vision à travers des histoires. C'est un peu la valeur thérapeutique des paraboles. Bon, ce qui nous agace dans une parabole, ça nous révèle tout ce qu'il y a dedans. Ce qui nous agace dans notre vie, dans notre cœur. Souvent, c'est ça. Tu sais. Donc, si vous lirez le livre, si vous voulez savoir tout ce qu'il veut dire. C'est correct? Alors, Jésus explique lui-même pourquoi il parle en parabole. Et c'est encore là, c'est pas si facile que ça à comprendre. Voici ce qu'il dit, j'espère que c'est mon texte ici, là. Ah non, est-ce que c'est que je m'en vais, maintenant? Ah, voici ce qu'il dit. À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, c'est en parabole.
C'est comme si la parabole le révèle, puis elle cache. Celui qui n'est pas prêt ne comprend rien. C'est un peu ça, je pense, qu'il veut nous dire. Celui qui n'a pas le cœur prêt, il reste à l'extérieur. Alors, c'est en parabole pour qu'ils voient sans voir et qu'ils entendent sans comprendre. Ça, c'est un texte du prophète Isaïe. Il va chercher un texte du prophète pour dire, c'est comme si c'était une punition. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Ils voient, puis ils ne voient pas. Tu sais, alors, c'est un petit peu ça, les paraboles. Le Seigneur dit des fois, je parle en parabole, puis souvent, il est obligé d'expliquer à ses disciples qui ne sont pas plus fins que les autres, mais eux autres, il leur explique. Alors, il leur explique des paraboles, certaines en détail. Là. Il y a comme le semeur. Là. Alors, mais en général, il dit, ah, les autres, c'est pour qu'ils... C'est comme si c'était une façon de parler du royaume de Dieu à ceux qui veulent comprendre. C'est ma façon de dire. Il y en a qui ne veulent pas comprendre, ils ne comprennent pas. Quand tu ne veux pas comprendre, moi je suis le même des fois. Quand tu ne veux pas comprendre, hein, tu ne veux pas comprendre. Alors, comprenez? Vous comprenez? Ben, c'était un petit peu ça. Il n'y a personne qui ne vous a jamais dit ça. Tu ne veux pas comprendre? Moi, ils m'ont dit ça souvent. Alors, puis je l'ai dit à d'autres, parce que s'il n'est pas prêt à comprendre, il ne comprend pas. C'est un peu ça que Jésus dit, OK? Alors, elles ne sont pas un traité abstrait, ça parle au cœur, c'est des histoires, donc on s'en souvient facilement. Et pour bien interpréter une parabole, il faut découvrir sa pointe, c'est-à-dire la pointe. Ce n'est pas tous les détails, ce n'est pas des allégories. Une allégorie, c'est là où on explique chaque détail. Jésus va donner comme allégorie, par exemple, dans Saint Jean, la vigne. Mon père est le vigneron, vous êtes les sarments, puis si vous êtes unis à moi, ça c'est une allégorie. Chaque détail a son sens. Une parabole, il faut la prendre dans son sens. Il ne faut pas essayer d'expliquer chaque détail, il faut la prendre dans son sens global. La pointe, correct? Bon, pour arriver à Saint-Luc, ça c'est juste un peu une introduction, pour arriver à Saint-Luc, trois groupes de paraboles sont propres à Luc, qui souligne ses insistances, et la première, c'est la prière. On dit que Saint-Luc, il est particulièrement l'évangéliste de la prière. Tous les évangélistes parlent de la prière, mais lui a trois paraboles particulières sur la prière. On a déjà parlé une ici, on vient d'en parler d'une autre, et vous les connaissez très bien. Si vous allez voir dans votre grille, ça va être probablement l'ami prié, là. Vous connaissez? 11:5. Hein? C'est ça? Jésus leur dit encore. Remarquez bien comment il parle. Si l'un de vous, la personne se sent impliquée, si l'un de vous a un ami, dis pas que j'ai un ami en vague, si l'un de vous a un ami, je suis pris dans parabole, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, là on est rentré dans parabole, on en fait partie, je ne sais pas si vous voyez, mon ami, prête-moi trois pains parce qu'un de mes amis m'est arrivé de voyage, je n'ai rien à lui offrir. Si l'autre de l'intérieur lui répond, ne m'ennuie pas, maintenant la porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne peux me lever pour te donner du pain. Je vous le déclare. Ah là, ça change de style. Qui est-ce qui parle? Je vous le déclare, voyez-vous ça? On entre dans la parabole en dedans, puis tout à coup, on n'est plus dedans. Alors, même s'il ne se lève pas pour lui donner parce qu'il est son ami par amitié, parce que l'autre est sans vergogne, c'est-à-dire sans... Hein? Oui, parce que l'autre est sans vergogne. Vergogne, ça veut dire... Quel mot qu'on pourrait mettre à la place de vergogne? Il est sans gêne. Oui, c'est ça, sans gêne. Il se lèvera pour lui donner tout ce qu'il lui faut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein?
Alors, on est dans une parabole, on est dedans. Lequel de vous a un ami? Hein? Si l'un de vous a un ami, là, on est rentré dedans. Et tout à coup, on en sort, puis on se dit, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Eh bien, c'est tout entouré par la prière. Alors, il va continuer ensuite, eh bien, moi, je vous dis, demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Il répète. Et les autres paroles ne sont pas propres à Saint-Luc. Cherchez, puis frappez, puis... ça, c'est les... Saint-Matthieu les a aussi, ces paraboles-là. Ces paroles-là. Mais Saint-Matthieu, lui, Saint-Luc a ajouté une parabole pour nous faire entrer dans ses paroles sur la prière. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Si on insiste. Il nous insiste à être sans gêne. Je ne sais pas, hein? Il nous insiste à persévérer dans la prière, persévérer, là, je ne sais pas. Même, et puis il dit, c'est pas, alors, correct? Alors, c'est tout dans un contexte de prière. Un aspect très important chez Saint-Luc, la prière. Vous avez l'autre, si vous avez sur votre, ici, un autre sur la prière, ça va être le juge unique. Je viens de 18.1, correct? Vous le connaissez? 18.1. Je vous le rappelle brièvement parce que c'est des choses qu'on connaît presque par cœur, mais ça vaut la peine de les relire. C'est... Jésus leur dit une autre parabole sur la nécessité pour eux de prier constamment et de ne pas se décourager. Mais ça fait deux fois, là. C'est à peu près la même chose que l'autre. Hein? De prier sans se décourager. De prier sans se décourager. C'est quelque chose, ça. Nous autres, on prie, bien, comment ça se fait qu'il ne répond pas, tu sais? Hein? Bien, il a déjà donné la parabole de l'ami. Hein? Il va en donner une autre. De constamment prier, de ne pas se décourager. Il leur dit... C'est une autre parabole. Il y avait dans une ville un juge qui n'avait ni crainte de Dieu ni respect des hommes. Ça ne peut pas être pire. Je ne sais pas si c'est possible. Ni crainte de Dieu ni respect des hommes. Ah, absolument. Mais il y avait dans cette ville une veuve. Il y a beaucoup de veuves dans l'Évangile, hein? Il y en avait aujourd'hui dans la messe. Il y avait une veuve qui venait lui dire, « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Il s'y refusa longtemps. On ne dit pas qu'elle, mais ça veut dire qu'elle a continué, hein? Il s'y refusa longtemps. Il dit, « Même si je ne crains pas Dieu, ni ne respecte les hommes. » Ça, c'est le monologue intérieur. Il se parle à lui-même. Il se dit ce qu'il est. C'est Jésus qui invente ça. Même si je ne crains pas Dieu ni ne respecte les hommes, eh bien, parce que cette veuve m'ennuie, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne pas sans fin me casser la tête. C'est quelque chose. Vous avez le droit de casser la tête à Dieu, hein? Et là, Jésus va tirer la leçon. Le Seigneur ajouta, écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Ben voyons donc. Il les fait attendre. Je vous le déclare, il leur fera justice bien vite. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On est dépassé, on est sorti de la parabole. Tout à coup, là, il y a une réflexion du Seigneur qui n'est pas si facile que ça à comprendre. Mais on voit bien le contexte de la prière. Est-ce que ça va? Troisième parabole sur la prière, c'est... On la connaît par cœur aussi. Mais c'est tellement simple, tellement beau. Alors, c'est le publicain, 18.9.
juste à côté de l'autre, donc c'est dans la même ligne. Il dit encore la parabole que voici à l'adresse de certains. Jésus va nous donner le sens de sa parabole. Pourquoi est-ce qu'il dit notre parabole? À l'adresse de, même s'il s'agit de prière, à l'adresse de certains, pas nous autres, hein? Non. Qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. On n'est pas obligé de la lire, c'est pas nous autres. Mais c'est un autre parabole. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Ah, il y a question de prier quand même, hein? L'un était pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. On entre encore dans les rangs, le monologue intérieur. On entre dans personne. Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, malfaisants, adultères, ou comme ce collecteur d'impôts, là, hein? Je jeûne deux fois par semaine. J'ai payé la dîme de tout ce que je me procure. Pas si mal. On se reconnaît. Pas trop. Mais un petit peu. Pas comme ça. Le collecteur d'impôts, lui, il se tient à distance. Il ne voulait même pas lever les yeux au ciel. Hein? Il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Et Jésus déclare, je vous le déclare, là on sort de la parabole. Hein? Celui-ci est redescendu chez lui, justifié, et non l'autre. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. On est complètement sorti de la parabole. La conclusion, on la trouve plusieurs places dans l'Évangile. Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Là, a été ajouté ici à la parabole probablement par les premiers chrétiens. Oui, c'est des paroles qui se promènent, ça. Ça veut dire que la première Église lisait cette parabole, puis elle la lisait dans un contexte, puis elle lui donnait elle lui ajoutait un sens. Je ne sais pas si vous... C'est pour ça que les paraboles, il faut faire attention, et des fois, il y a une deuxième conclusion qui était ajoutée. C'est pas mauvais, mais c'est comme si on la relisait, puis on disait, oui, mais... Tiens, on lui donne un autre sens. Peut-être que ce n'est pas ça, c'était peut-être pas la parole de Jésus, ça, au début. Qui s'élève, sera abaissé. Il le dit ailleurs, ça c'est sûr, c'est une parole de Jésus. Mais on la met là, et ça donne un autre, je ne sais pas trop comment, un autre élan à la parabole. Correct? C'est pas si facile que ça, les paraboles. Des petites histoires, hein? Je reviens à mon texte. La prière, c'est un thème qui est très cher à Saint-Luc. Et ici, j'aimerais vous noter la prière de Jésus. On a vu Jésus, celui qui était marcheur, celui qui était guérisseur, hein? Alors, celui qui est raconteur, mais Jésus qui prie. On le voit partout dans Saint-Luc. On va le regarder rapidement. Une autre façon de voir rapidement un évangile, c'est de suivre comme ça une idée. Dès son baptême, Saint-Luc dit que Jésus est en prière. Les autres ne disent pas tel quel. Alors, Jésus baptisé, lui aussi, priait. Hein? Il priait. Bien là, il y a tout le baptême qui se passe. Mais Saint-Luc insiste, il est en prière. Quand le ciel s'ouvre tout à coup, puis, hein, l'Esprit descend sur lui comme une colombe, puis la voix du ciel, Jésus est en prière. Alors, dans Saint-Luc, Jésus est souvent en prière. Ensuite, bien, quand il fait jour, c'est le chapitre suivant, il sortit, il se rendit dans un lieu désert. Jésus s'en va souvent dans un lieu désert. Ça, c'est à Capharnaüm, tout de suite après. Hein? Et puis, c'est même avant Nazareth. Et puis, il s'en va dans le désert. T'sais.
Jésus nous est présenté souvent, particulièrement dans Saint-Luc, celui qui va chercher la prière, mais dans le désert, où il rencontre son Père. On va en dire, on va en voir quelques-uns, vous allez le voir rapidement. Au chapitre suivant, lui se retirait dans les lieux déserts et il priait. Jésus qui prie, très constamment dans l'Évangile. Chapitre 6, et en ces jours-là, Jésus s'en allait dans la montagne pour prier. Il passa la nuit à prier Dieu. Allez voir un par un, comme ça on s'aperçoit que c'est vraiment l'image qui nous est présentée dans Saint-Luc. Comme il était en prière à l'écart, toujours à l'écart, les disciples étaient avec lui et il les interrogea. Ça, c'est quand il va demander « Qui suis-je pour les gens? » Il est en prière. Et Saint-Pierre va dire « Viens pour nous, ben, tu es le Messie, pour vous qui suis-je. » Il est en prière. Ensuite, ben, il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage changea. Vous voyez l'insistance de Saint-Luc? Jésus est un homme de prière, toujours en prière, et souvent à l'écart. La transfiguration lui est présentée au moment où il priait comme son baptême, et le reste. À l'instant même, il exulta sur les... Ça, c'est une prière de Jésus, On l'a vu déjà... sous l'action de l'Esprit-Saint, il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et de l'avoir révélé aux tout-petits. » C'est une prière de Jésus. Il était un jour quelque part en prière. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, apprends-nous à prier. » C'est pas pour lui qu'il lui demande ça. Il le voit prier. Jésus, c'est celui qui prie tout le temps. Il le voit prier, alors il lui demande, « Apprends-nous à prier. » Vous voyez, la demande, elle vient de l'exemple de Jésus, de ce qu'il le voit continuellement. Il voudrait apprendre à prier aux autres aussi. Ça devient notre prière, nous autres. « Apprends-nous à prier. » Qu'est-ce qu'il va leur dire? « Quand vous prierez, vous direz, Notre Père, qui es aux cieux. » Alors, c'est le Notre Père. C'est la réponse à une prière des disciples qui l'ont vu prier. Et puis il dit, montre-nous à prier, enseigne-nous à prier comme toi. C'est-à-dire être en lien avec le Père. Comme... Alors, il va... le Notre Père n'arrive pas comme ça. Je veux sa soupe, là, tu sais, il veut dire, il arrive parce qu'ils l'ont vu prier, ils sentent qu'il chante, et Jésus va leur enseigner à prier le Père comme lui. Le Notre Père, c'est... Bon. Jésus passait le jour dans le... Bon, ça, c'est vers la fin, ça. On est rendu au chapitre 21. On n'est pas rendu là dans votre lecture, mais on va se rendre. C'est à la fin, quand il arrive à Jérusalem, il va entrer dans le temple. Il passe sa journée dans le temple à enseigner. Et la nuit, il sortait sur le mont des Oliviers. Il prie, il parle de lui. Alors, la nuit, il sortit sur le mont des Oliviers. Il s'en va prier. Jusqu'à la fin. Il s'étend en miettes. Mais là, vous avez la prière de Jésus, c'est le jour... de l'agonie. Il s'était mis à genoux, il priait, disant, « Père, que ce ne soit pas ma volonté qui se réalise, mais la tienne. » Et Jésus disait sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » La prière du Seigneur. Et enfin, il termine, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Ça valait la peine d'y mettre à la suite pour voir que, quand on dit dans Saint-Luc, Jésus nous est présenté en prière constamment. Et puis, souvent, ça, on devine qu'il priait souvent à l'écart. Et que, eux autres, bien, ça a tellement marqué les disciples qu'ils ont fini par lui dire, bien, apprends-nous à prier. Et c'est un aspect très fort de Saint-Luc. On vient les voir rapidement ici. Évidemment, ça se termine ensuite. Les trois paraboles sont ici en bas, là. Leçon numéro 4, d'où l'importance de la prière pour nous. Alors là, c'est, je ne sais pas si je les ai mis sur mon écran ici, là. Non. Ah, bien ça, je retrouve l'ami ici, c'est correct. On l'a vu tout à l'heure, on a vu ça. Et puis, maintenant pour nous autres, une parabole sur la nécessité pour eux de prier constamment, je viens de le voir, c'est le juge.
Et puis, c'est le juge qui parle, puis Jésus qui dit, alors, une autre parabole, alors ça, c'est les pharisiens. Ça va? Ou encore comme ce publicain. Bon. Bon, excusez, je l'ai dit trop vite tout à l'heure. Mais il finit par dire, bien, les mêmes paroles que Saint Matthieu, mais on voit le contexte, hein? Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et qui frappe, à qui frappe, on ouvrira. Et un autre. Quel père parmi vous? C'est nous autres, hein? Quel père parmi vous? Il nous implique dans la parabole. Alors, si son fils lui demande un poisson, on va lui donner un serpent au lieu d'un poisson. Hein? Bon. Ou bien encore, s'il lui demande un œuf, il va lui donner un scorpion. Il a mis ça un peu fort. Hein? Mais quel père parmi vous? Alors, c'est toute la prière dans Saint-Luc, avec des petites paraboles qui viennent appuyer tout l'ensemble. Ça va? On arrive au numéro B, donc je vais sauter par-dessus. Parce que la prochaine fois, on va voir la miséricorde. Mais ça se touche, c'est sûr. Je ne peux pas couper ça. Alors, ça se touche. La miséricorde, ça va être notre prochaine rencontre. Et on va retrouver les paraboles de la miséricorde. Alors, on pourrait les voir aujourd'hui, mais ça va? Ce que vous ne savez pas, c'est que je vous avais demandé de lire jusqu'au chapitre 14. Hein? Alors, la suite, ça va être le chapitre 15. Et le chapitre 15, c'est un des plus beaux chapitres de Saint-Luc. Ça va être le chapitre de la plus belle parabole qui existe dans tout l'Évangile. C'est celle de... Oui, ça, c'est un petit peu court, mais la parabole, l'enfant prodigue, comme on dit. Hein? L'enfant prodigue. Mais on ne devrait pas dire, c'est pas l'enfant prodigue, pas du tout. C'est le père prodigue. C'est une parabole sur le père. Mais il y a deux fils. Hein? Alors, c'est une parabole qui est très développée, celle-là. Et elle trouve au chapitre 15. Alors, il faudrait retenir de Saint-Luc, si vous ne retenez que cela. Le chapitre 15, c'est le cœur de Saint-Luc au niveau... Hein, c'est le cœur, parce que il y avait les trois paraboles, la brebis perdue, la drachme perdue et le fils perdu. Chapitre 15. Facile à retenir, hein? Bon. Je termine en bas de la page quand même, parce qu'il y a une troisième série de paraboles dans Saint-Luc, et vous les trouvez beaucoup dans le... où il parle beaucoup de richesse et de pauvreté. C'est fatigant un petit peu, mais c'est pas moi qui parle, c'est Jésus. Et Jésus nous met en garde ses disciples contre le danger des richesses. Le danger des richesses. On avait ça cette semaine, je pense. C'était dimanche ou hier? Hein? On vient de le lire, là. On ne l'a pas lu, non? On va le lire, c'est pas long. On est dans la messe, on est dans ces... On est dans ces chapitres-là, là, de ce temps-là. Hein? Alors, l'argent trompeur. Hein? L'argent trompeur. Parce qu'il est trompeur. Il met en garde contre l'argent trompeur. Il y a beaucoup de paraboles, si vous avez remarqué, j'ai marqué « pauvres et riches ». Ou c'est une particularité aussi de Saint-Luc d'insister beaucoup sur la pauvreté. Les richesses comme danger et la pauvreté. Bienheureux, vous les pauvres. Mais ce n'est pas bienheureux les pauvres en esprit, c'est bienheureux, vous les pauvres. Alors, les pauvres sont très présents dans l'Évangile de Saint-Luc. Vous en avez le gérant, bon, c'est l'argent trompeur, vous avez ça à 16-9. Vous avez la parabole qu'on connaît bien, Lazare et le pauvre. Toute une parabole, hein? Il ne va pas nous donner un portrait du ciel, là. Vous connaissez la parabole? Il y a celui qui mange, puis il y a des festins trois jours, puis il y a un pauvre à la porte, rempli d'ulcères.
C'est les chiens qui viennent lécher ses... Hein? Puis les deux meurent. Et le pauvre est amené dans le sein d'Abraham. Le pauvre, le riche, lui, on ne sait pas trop, mais en enfer. Hein? Puis il fait chaud. Et puis il se met à crier. Alors, là, c'est tout un drame, mais il se met à crier. Père Abraham, demande donc à Lazare hein, de mettre son doigt, hein, qu'il vienne un peu. Il y a toute une mise en scène. C'est pas possible, ça, parler de. Hein, mais c'est une mise en scène. Hein. Mise en garde contre la richesse et la pauvreté. Et le pauvre, il ne l'avait pas vu toute sa vie, le pauvre, tout à coup, il voit. On pourrait faire beaucoup de réflexions là-dessus. Il ne voyait pas à sa porte, puis tout à coup, il se met à le voir, tu sais. Il est trop tard. Alors, c'est des paraboles assez fortes de Jésus. Et finalement, vous savez comment ça tourne? Abraham, il dit, c'est pas possible, on ne peut pas passer d'ici à les chevaux. Alors, le pauvre, le riche, se met à crier, il dit, envoyez-le voir mes frères pour pas qu'ils reviennent ici. C'est comme s'il était devenu tout à fait sympathique tout d'un coup, aller voir ses frères. Jésus est en train de nous dire quelque chose. Même si un mort ressuscite, ils ne changeront pas. Ah, c'est une méchante leçon. Même si un mort ressuscite, ils ne changeront pas. Alors, vous voyez, la pointe de la parabole, c'est la fin. Bon. Alors donc, il y a beaucoup de paraboles qui nous parlent de l'argent. Les mines, le gérant en ville, j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu, lui est fatigant. C'est celui qui, on l'a dit tout à l'heure, tu sais, prends tes affaires, puis diminue, puis faites-vous donc des amis avec l'argent pour qu'ils vous reçoivent dans le royaume. C'est un peu... Alors, c'est des insistances de Saint-Luc. La prière, la miséricorde, et on pourrait dire le danger des richesses et la pauvreté. Il faudrait ajouter beaucoup d'autres choses, l'argent trompeur, la vocation, la pauvre veuve. La pauvre veuve, on l'a-t-il vu? Non? Mais c'est parce que des fois je suis mêlé, je travaille d'autres textes. La pauvre, vous connaissez la pauvre veuve qui a donné... C'était pas un dimanche, ça? C'était hier. Elle a plus donné parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour elle. Tout ce qu'elle avait pour elle. Hein? Il y a beaucoup de choses décrites sur les paraboles. Ceux qui veulent lire un beau livre sur l'enfant prodigue, La maison où l'homme attend, c'est très beau. C'est tout un livre, rien que sur la parabole. Et l'autre plus récent, Le retour de l'enfant prodigue, c'est un livre excellent de Newman. Ils sont sur la table, là, puis ils sont à la bibliothèque aussi. Je n'ai pas ceux sur la table, là, mais à la bibliothèque. J'ai mis deux autres livres ici que... deux autres livres ici, un de Harrington et l'autre de Jacques Dupont. Si vous connaissez un peu Jacques Dupont, c'est un maître. C'est un bénédictin là, de France. Mais quand il écrit quelque chose, vous savez, les maîtres n'écrivent pas longtemps, mais... Alors, c'est lui que je vais maintenant résumer un petit peu dans l'envers de la feuille. Jacques Dupont. L'art de la... Alors, il appelle ça... pourquoi des paraboles? La méthode parabolique de Jésus ou l'art des paraboles. Si vous voulez lire davantage, je pourrais peut-être le prêter à la bibliothèque. Parce que c'est un livre, un maître. Quand vous voyez quelque chose écrit par Jacques Dupont, c'est parmi les meilleurs, là, tu sais. Je ne sais pas s'il vit encore, mais en tout cas, il est récent. Et j'ai résumé un petit peu son affaire sur l'autre côté de la page. J'ai résumé à ma façon, parce que c'est très long. Mais c'est un peu pour vous donner l'idée, l'art des paraboles. C'est moi qui envoie l'art des paraboles, lui il appelle ça « Pourquoi les paraboles? » La méthode parabolique de Jésus. Harrington aussi la présente à sa façon. Alors lui, il commence comme ça, il dit, une parabole, c'est une comparaison qui ne trouve son sens que par rapport à l'autre terme.
C'est pour ça qu'il faut connaître un peu de quoi ça parle, de quoi, d'où on parle. Elle ne s'explique pas seule, une comparaison, c'est quand on a les deux morceaux, il faut connaître les choses d'où elle parle et qu'elle va dépasser. Elle reflète le langage habituel de Jésus qui parle en images. Je voulais l'ai fait noter plusieurs fois ça. Jésus parle toujours en images. Hein? L'œil, on vient, c'est le trésor, puis la lampe. Il parle toujours en images, il ne parle pas en abstraction. Alors donc, c'est ce langage qui s'exprime particulièrement dans les paraboles. Elle fait partie... il s'agit toujours d'action. Il nous fait remarquer qu'une parabole, ce n'est pas un objet, c'est une action. Le royaume des cieux, c'est comme quelqu'un qui sort semer. Ce n'est pas le semeur, ce n'est pas la semence, c'est toute l'action de semer. Le royaume des cieux, c'est comme un filet que quelqu'un jette. Allez, il y a toujours de l'action. C'est pour ça qu'il veut nous faire entrer, nous faire comprendre le royaume des cieux, ce n'est pas quelque chose, c'est une action, c'est un agir. C'est un comportement. Il ne s'agit pas de théorie abstraite. Elle est toujours personnelle, il y a toujours quelqu'un, ça touche les personnes. L'action, même quand on dit ça ressemble à un filet, mais il y a quelqu'un qui va le jeter, puis il y a quelqu'un qui va le ramasser, puis qui va séparer, alors... Donc, il y a toujours quelqu'un d'impliqué là-dedans. Elle fait partie intégrante de l'Évangile, de son message, de son mystère. C'est pour ça que ça vaut la peine de s'y arrêter. On touche quelque chose d'important dans l'Évangile. C'est le message du Seigneur. Le royaume est en marche. Alors, la plupart des paraboles, c'est des choses qui bougent. C'est en marche. Le royaume de Dieu est en marche, c'est en action. Il commence en petit, comme une petite graine hein, qu'on le jette dans la terre, la plus petite, puis qui va grandir. Alors, c'est en marche. On ne peut reconnaître l'amour de Dieu sans reconnaître et aimer ses fils. Ça, c'est dans la parabole, mettons le fils aîné ou bien l'ouvrier du 11e heure. Bon. Elle recommande une action à faire, comme le bon samaritain. Vous la connaissez, hein? Il dit, Qui est mon prochain? Hein? Tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et puis ton prochain comme toi-même. Ben oui. Qui est mon prochain? Qu'est-ce que Jésus répond? Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, puis il s'est fait arrêter par les voleurs, puis l'un qui a passé tout droit, puis un autre qui a passé tout droit, puis l'un qui s'en est occupé. Il ne dit pas qui est mon prochain? Qui a été le prochain? Ah! Il l'a embarqué dans l'histoire, puis il dit ensuite, fais de même. Mais il voit, c'est pas facile de dire qui est mon prochain. Tu es le prochain. Toute la parabole retourne toute la question à l'envers. Fais comme lui. Tu es le prochain. Alors, ça prenait une parabole pour que l'autre, il se laisse embarquer facilement là-dedans. Je ne sais pas s'il était converti, mais je ne parle pas de celui qui est dans la parabole, mais celui à qui Jésus parle. Alors, elle révèle Dieu et Jésus dans leur action providentielle. Mais on va voir la semaine prochaine les bergers là, qui portent la brebis, tout ça. Il s'agit toujours souvent d'un dialogue. Ce n'est pas un enseignement théorique ni polémique. Pour convaincre, Jésus emploie des histoires qui visent à faire changer d'avis sans confrontation. Comme vous êtes dans une confrontation, je dis oui, il dit non, on ne peut plus avancer. Ah, on va te conter une histoire. Mais ça, les histoires, hein? Alors, on va vous conter une histoire. Quand on dit ça, tout le monde, on a l'attention de tout le monde. C'est Jésus, hein? On va vous conter une histoire. Il y avait un petit village, il y avait un curé. Il a décidé de prendre un taxi. Vous connaissez cette histoire-là? Hein? Vous connaissez une histoire? Alors, le chauffeur de taxi, c'est un ivrogne, pas mal. Ils ont fini, ils ont un gros accident. Les deux sont morts. Ils arrivent au ciel. Le chauffeur de taxi à Saint-Pierre le prend et il va y mettre une belle place. Puis le curé, il met en arrière. Le curé n'est pas content. Comment ça se fait? Que lui, à première place, c'est de sa faute, ça s'est fait tuer, tu sais.
La réponse de Pierre, vous la savez? C'est une histoire. Mais il dit, toi, quand tu prêchais, tout le monde dormait. Quand lui chauffait, tout le monde priait. Ça, c'est pas une parabole. Mais une histoire, ça a toujours du succès. Moi, j'aimerais ça en connaître plusieurs. Hein? Bon. Alors, pour convaincre, Jésus emploie des histoires qui visent à faire changer d'avis sans confrontation. Ça fait appel à l'expérience aussi. L'expérience, ça veut dire au bon sens. Tu sais? Ben oui. Hein? Qu'est-ce que c'est qui va l'aimer le plus? Ben évidemment, celui à qui on a remis le plus, c'est le bon sens. Alors, il s'appuie sur l'expérience des gens qui vont dire, ben oui, c'est ça, hein? Alors, qui permet et force les locuteurs à y entrer. Et c'est dans cette expérience qu'elles trouvent la force de persuasion. Mais c'est évident, hein? Quand on dit c'est évident, ah, ben là, oui, bon. Elles portent souvent une question. Je vous ai fait remarquer tout à l'heure que ça a commencé. Lequel d'entre vous a un ami, hein? Alors, ça commence souvent par une question. Parce que ça nous implique. Et certaines affirmations équivalent à des questions. Des fois, c'est à la fin qu'il est venu à la question. Hein? Qui a été, tu sais, alors? Donc, on est impliqué dans une histoire, dans une parabole. Elles ont été interprétées par la première Église dans un contexte souvent différent, qui font qu'ils l'ont appliqué à d'autres choses, qui fait que des fois, on a ajouté une deuxième conclusion. Ça ne vous dit pas grand-chose, toutes ces choses-là, mais c'était un résumé du livre, là. Et en le lisant, nous sommes envoyés à notre propre expérience de vie pour modifier notre conduite, notre attitude et nos valeurs. Si on écoute une parabole comme il faut, on est renvoyé à nous-mêmes. Mes valeurs, hein? Mon attitude, alors ma conduite. Le royaume des cieux, c'est comme quelqu'un qui a trouvé un trésor dans un champ. Il s'en va, il vend tout, puis il achète le champ. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça, le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Je suis confronté à mes valeurs. Si tu prêt à tout vendre, hein? En quoi je vais mettre mes valeurs, tu sais? Alors, c'est toujours une question. Le royaume des cieux, en tout cas, c'est comme ça. Les paraboles doivent d'abord être pour nous un moyen d'accès à Jésus, à sa personne et à son mystère. C'est à travers la conscience qu'il a de sa mission et de sa relation à Dieu que nous pourrons y percevoir le fondement des convictions qu'il exprime et nous invite à partager avec lui. C'est un peu compliqué. Les paraboles nous conduisent à voir la réalité telle que Jésus la voyait, mais c'est en nous invitant d'abord à rencontrer Jésus lui-même. Le premier objet de la foi, c'est Jésus. Nous sommes dans l'année de la foi. Il ne faudra pas en faire une année d'abstraction ou de pensée ou de vérité. C'est Jésus. Les destinataires sont souvent inclus dans les paraboles. Un rôle leur est réservé, conforme à leur manière de penser. Il leur faut l'assumer pour percevoir la réponse que le paraboliste leur adresse. Alors, la parabole se présente souvent comme un dialogue déguisé, dans lequel le narrateur prend soin d'exprimer de manière valable le point de vue de son interlocuteur pour l'amener peu à peu à se rendre compte de la raison pour laquelle un autre point de vue est préférable, celui du paraboliste. Ce n'est pas toujours facile. Mais si vous prenez les ouvriers de la 11e heure, on se reconnaît, ben oui. Il y en a qui ont commencé le matin, il leur a dit « je vais vous donner un denier pour la journée ». Ils ont travaillé toute la journée, puis un peu plus tard, on est arrivé d'autres, puis un peu plus tard, un peu d'autres. À la dernière heure, on est arrivé d'autres. Puis tout à coup, remarquez la parabole. Le chef dit, commence par payer les derniers. Ah ouais? Il commence par payer les derniers. Vous êtes dedans, la parabole? Alors évidemment, les premiers qui sont arrivés, ils ont dit, nous autres, ben, on va bien recevoir plus. Il reçoit avec le denier. Allez, maugré. Comme nous autres, on maugré. On fait pareil, nous autres. Voyez-vous, on est entré dedans. Ça n'a pas de bon sens.
Alors, il faut aller voir la fin de la parabole. Vous en souvenez-vous? Oui. C'est quoi? C'est ça. Alors, on aboutit à la pointe, hein? C'est parce que ton œil est mauvais que moi, est-ce que j'ai le droit d'être bon? Alors, finalement, il s'en vient nous chatouiller dans... Ouais. Nous autres, on n'aimerait pas ça. Nous autres, que c'est le dernier, il y en a autant que moi, là. Hein? C'est une conversion, ça. Mais penser comme Dieu, penser comme... Alors, c'est pour ça que les paraboles nous invitent à une conversion. C'est pas ramener Dieu à nos façons de voir, c'est nous autres essayer d'entrer dans les façons de Dieu. J'ai mis quelques phrases de cet auteur, parce que je pensais que ça pouvait nous aider à dire, les paraboles, c'est tout un art. Je vous disais dès le début, ça se trouve nulle part ailleurs. Croyez-moi. Vous allez trouver les fables de La Fontaine, vous allez trouver beaucoup de petits de contes moralisants. C'est très bon. Mais des paraboles, c'est propre à Jésus-Christ dans l'Évangile. C'est cool. Si vous en trouvez des pareils, moi j'en ai lu d'autres, c'est moralisant. Jésus, c'est plus profond que ça. C'est des ouvertures. On n'a jamais fini de les comprendre. Alors, vous avez une feuille blanche. C'est le travail qui vous reste à faire. Correct? Je ne me souviens pas ce que j'ai sur mon ordinateur parce que j'ai perdu le contrôle un petit peu de toute mon affaire. C'est les paraboles sur la richesse. C'est les paraboles sur la richesse, mais je voulais raconter tout à l'heure autrement. Il y avait un homme riche dont la terre avait bien rapporté. Il se demandait « qu'est-ce que je vais faire? » « Je ne sais pas où rassembler ma récolte. Hein? »« Ah, je sais ce que je vais faire. » Je vais démolir mes greniers, je vais en bâtir de plus grands, je vais rassembler tout mon blé, mes biens. Hein? Et puis, je dis à mon tour, voilà la quantité de biens en réserve pour de longues années. Repose-toi, mange, bois et fais bon vent. On ne sera pas malheureux là-dedans, nous autres. Puis, on a tout ce qu'il faut, puis on a un peu de problème, sécurité de la vieillesse aujourd'hui. Hein? Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Mais Dieu lui dit, c'est dans la parabole, hein? Insensé, cette nuit même, on te redemande ta vie. Et ce que tu as préparé, qui donc l'aura? Hein? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse un trésor pour lui-même, au lieu de s'enrichir auprès de Dieu. Alors, c'est une des choses dans Saint-Luc. Je reviens à la lecture numéro... C'est la dernière partie... De la deuxième partie, Jésus marche vers Jérusalem. À partir du chapitre 15, et là vous allez trouver le beau chapitre 15. J'aurais pu le commenter ce soir, mais j'ai passé par-dessus parce que je me dis, c'est mieux que vous le lisiez vous-même. Correct? Et vous allez retrouver dans cette partie-là, la guérison des 10 lépreux, on a déjà parlé, les allusions à Saint Jean. Enfin, juste vous dire qu'on a parlé dès la première rencontre, ça. Mais c'est pas mauvais de dire, ben oui, c'est là qu'on va le retrouver. C'est 16-16, c'est ça? La loi et les prophètes vont jusqu'à Jean. C'est, vous savez, les promesses, le temps des promesses. Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume des cieux est annoncée et tout homme déploie sa force pour y entrer. C'est changé. C'est l'accomplissement. Vous vous souvenez du début? Alors, la première rencontre, on avait insisté là-dessus, mais c'est là que vous avez rencontré cette chose-là. Nous rencontrons le cœur de l'Évangile, c'est-à-dire celui de la miséricorde qu'on va voir la prochaine fois, mais je vous invite à le lire vous-même d'avance. Et les trois paraboles. Trois paraboles. Et voir comment les deux premières préparent la troisième. La première, c'est celui qui a perdu une brebis, il en a 100, puis il en a perdu 90, il en a perdu une. Puis il laisse les 99 autres dans le désert, ben voyons donc, hein, pour chercher celle qui est perdue. Puis quand il l'a trouvée, il la met sur ses épaules, réunit ses amis, réjouissez-vous avec moi. Hein. Et puis...
Ça dépasse le bon sens. On ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue. En tout cas, juste pour vous dire, on se reconnaît, mais en même temps, ça nous dépasse. L'autre, c'est la femme qui avait 10 pièces d'argent, puis elle en a perdu une. Elle avait déjà perdu quelque chose. La semaine passée, elle avait dit, j'ai perdu quelque chose, puis je l'ai retrouvé. Ah, ça vaut la peine, hein? Si vous n'avez jamais rien perdu, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Mais quand on a perdu quelque chose, c'est-tu fatigant? Alors, c'est des paraboles du Seigneur. Les deux premières préparent la troisième. La première, le berger, elle est propre à Saint Matthieu, à Saint Luc et à Saint Marc, si vous voulez. Mais les deux autres sont propres à Saint Luc. Saint Luc, lui, quand il parle d'un homme, il va souvent parler d'une femme. Je vous avais dit, c'est l'évangéliste qui parle le plus de la femme. Alors là, il y avait un berger, mais là, il y a une femme. T'sais? Alors, la femme, elle a perdu dans sa maison, puis elle cherche, puis elle cherche. Alors, jusqu'à ce qu'elle le trouve. Hein? Puis elle fait la même chose, elle réunit ses amis. Alors, j'ai lisé un petit commentaire de ça, je ne sais pas comment je dirais ça, là. C'est un auteur qui disait ça. Quand on a perdu quelque chose, la chose qu'on a perdue devient plus importante que le reste. C'est humain, ça. C'est l'expérience qu'on fait. J'ai perdu. C'est plus important que les autres parce que je l'ai perdu, tu sais. Alors, ça fait. Il rejoint quelque chose d'une expérience humaine. Pour arriver ensuite à la belle parabole de l'enfant perdu, qui prend valeur quand on a les deux autres avant. C'est-à-dire, elle prend valeur, ça l'éclaire. C'est ça que je vous invite à chercher par vous-même. Relire les trois paraboles, citer les mots qui se répètent. Identifier les correspondants. C'est clair qu'il est perdu puis mort. C'est deux mots, hein? Et ou bien retrouver puis vie. Et puis joie puis fête. Puis ciel et ange, c'est des correspondants. Mais les mots qui se répètent. Il faut mettre le doigt dessus. Hein? Alors, identifier les personnages. Pas si facile, première vue. Le berger, il représente qui là-dedans? La femme? Le père? Le fils cadet? Et l'aîné? Bon, il y a bien des personnages là-dedans. Bon, ensuite, quand vous allez faire ça, vous allez faire le principal des trois paraboles sur lesquelles on va revenir la prochaine fois, parce que ça fait partie de la miséricorde du Seigneur. Est-ce que ça va? La question d'argent, bien là, vous allez trouver la référence. L'argent trompeur, la richesse peut être obstacle à entrer dans le royaume. Tout est possible à Dieu, par exemple. Heureusement. Il est plus difficile à un riche d'entrer au royaume des cieux qu'un chameau passé par le trou dans l'église. Alors, mais tout est possible à Dieu. Hey, c'est quelque chose, ça. Alors, vous allez retrouver des avis à ses disciples, un petit peu comme la semaine dernière, là, à ceux qui le suivent. Hein. Alors, le scandale à éviter. C'est à l'Évangile le matin, ça. Le pardon à donner. C'est à l'Évangile d'aujourd'hui, ça. La foi à demander. Si vous êtes à la messe aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé, mais c'est lundi. C'est celle d'aujourd'hui, c'est par hasard. Hein? Le service gratuit et avoir un cœur d'enfant. Donc, Jésus, tout au long de son voyage, il essaie de former ses disciples à sa façon de voir, à ses valeurs, au don de sa vie. Il les entraîne avec lui. Hein? Il les entraîne à être comme lui. Alors, être chrétien, c'est suivre Jésus. Mais se laisser modifier par lui, devenir comme lui. Et à la fin, bien, comme Jérusalem approche, on approche un petit peu de Jérusalem, alors il va commencer à parler de la fin. Il va en parler davantage dans la dernière partie qu'on verra après. La venue du règne, le jour du Fils de l'homme. Alors, il commence à parler de ça. On va voir ça dans la liturgie jusqu'à la fin de novembre. C'est fatigant parce qu'il parle tout le temps de la fin du monde, puis... Eh bien, c'est parce qu'il approche de Jérusalem. Il est parmi vous, il viendra comme l'éclair.
Le règne de Dieu était parmi vous, mais il va venir comme l'éclair. Il est là, puis il n'est pas encore là. On est toujours devant le grand mystère du salut du monde qui est accompli en Jésus, puis qui n'est pas fini. Qui est commencé, qui est accompli, mais pas fini. On est dans un salut qui est accompli par le Seigneur, mais pas fini. On est dedans. C'est pour ça qu'on lit l'Évangile jusqu'à la fin de... Alors, je vous avais dit que l'Évangile de Saint-Luc serait lu sur semaine jusqu'à la fin de novembre. Mais il reste encore deux semaines. Et puis ensuite, on va commencer en janvier l'Évangile à tous les dimanches. L'Évangile de Saint-Luc. Alors, on est dans la liturgie, puis on est dans le bon temps pour ça. Et l'année prochaine, tous les dimanches, jusqu'à la fin de novembre, les dimanches. Et on la retrouvera en septembre, jusqu'à la fin de novembre, sur semaine. Vous vous souvenez de ça? Saint-Luc, c'est pas le seul, mais il y a une grande partie à tous les trois ans, tous les dimanches, et à toutes les années, de septembre à novembre. Alors, mon idée, c'était de vous parler de Saint-Luc pour que vous puissiez... On le connaît à cette heure. Je sais pas, vous connaissez un petit peu Saint-Luc. Et par Saint-Luc, on connaît l'Évangile. Et au lieu de prendre les quatre en même temps, ou les trois en même temps, en prenant un, on connaît l'Évangile. Vous connaissez? Il y a des différences avec Saint-Matthieu et Saint-Marc. L'idée, c'est de dire, on intègre l'Évangile. Celui qu'on lit et qu'on prie constamment. Et puis, on est toujours « Je crois en toi ». Alors, cette petite... Il y en a qui avaient demandé, j'en ai apporté d'autres. « Je crois en toi », c'est très beau. C'est notre credo. Alors, dans deux semaines, la miséricorde.